Exit affaire conclue, Sophie Davant a décidé de tourner la page et de passer à autre chose. Sur Instagram, elle se confie sur cette décision qui n'a pas été facile à prendre pour elle. Cette fin d'année est particulièrement agitée chez France Télévisions. Entre les départs et les arrivées, la rentrée promet d'être mouvementée. Depuis de très nombreuses années, Sophie Davant enchaîne les émissions sur France 2. Le Téléthon, CIST au programme, toute une histoire, Télématin, la météo. La liste est longue. En 2017, elle prend les commandes de l'émission Affaires conclues dans laquelle elle aide les candidats à faire expertiser leurs trouvailles pour que des acheteurs fassent une très belle offre. Toujours à la pointe de la mode, les téléspectateurs l'appréciaient beaucoup. Toutefois, toutes les bonnes choses ont une fin et Sophie Davant a décidé de tourner la page. Sophie Davant quitte Affaires conclues après quelques nuits blanches à cogiter ce mardi 11 juillet. Sophie Davant a pris la parole sur Instagram pour évoquer ce départ qui n'a pas été facile. Le cœur serré, j'ai dû choisir, et vous le savez, choisir, c'est renoncer, écrit-elle sur Instagram. Et renoncer à l'émission Affaires conclues a, pour la présentatrice, était une décision très compliquée à prendre, ce qui lui a provoqué quelques nuits blanches à peser le pour et le contre. Désormais, CIST Julia Vignali, elle a délaissé Télématin, qui se chargera d'échanger avec les candidats. Pour sa grande amie Caroline Margeridon, son départ est difficile à encaisser, si bien qu'elle appréhendait fortement les tournages, même si elle ne faisait que se croiser. CIST pourquoi, elle n'a pas manqué de réagir dans les commentaires. Renoncer ne fait pas partie de ton ADN mon cœur. Tu es juste une femme exceptionnelle et libre. Je suis tellement fière d'être ton amie, je t'aime à la vie, à la mort, déclare-t-elle. Sophie Davant débarque sur Europe 1 à la rentrée. Si Sophie Davant a pris la décision de céder la présentation d'Affaires conclues, elle ne quitte pas le service public pour autant puisqu'elle présentera Animaux et compagnie sur France 3 le dimanche après-midi. Mais si est-il surtout sur Europe 1 qu'elle fera sa rentrée en septembre. Elle sera aux commandes de Sophie et les copains, une émission diffusée du lundi au vendredi entre 16h et 18h et qui mélangera histoire, science, littérature, patrimoine, sport, art, divertissement et région. Elle sera également accompagnée de trois chroniqueurs experts, on va rire ensemble, j'espère qu'on passera tous un bon moment ensemble, se réjouit-elle sur Instagram.